Hello gamers, les gamers, bien le bonsoir à vous. On a deux nouveaux skins en boutique, c'était prévu. Il y a des skins en plus, je voulais le publier aujourd'hui sur mon Instagram et sur mon Discord, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Et là, on a deux nouveaux skins, une pioche et tout là, les pingas. Alors, du coup, nous avons le skin Rafale qu'on a sur l'écran de chargement. Il est super badass, ma parole. Alors là, je pensais pas qu'il sortirait aujourd'hui, mais c'est une sorte de skin tempête. Ah, je sais pas si je vais l'acheter en vrai. Si j'achète, j'ai plus de bucks. Mais en vrai, il est super badass. Alors, c'est une genre de. Genre, comme si il contrôlait la tempête et tout. Aïe, aïe, aïe. Je vais regarder si je vais le prendre ou pas. Je vais réfléchir. Mais en vrai, il est super beau. Ensuite, j'avais également le skin foudre féminin, du coup. Un peu moins cher cette fois-ci, à 200 à 800 V-Bucks, donc c'est un skin du coup atypique. Il est pas mal non plus. Après, il est assez simple quand même, il n'en a rien. Mais il reste correct pour un prix à 800 V-Bucks, ça va en vrai. Ensuite, nous avons également la pioche. Oh yo yo, la pioche à 1200 V-Bucks. Ah, elle est pas mal. Pioche, j'aime bien. Ouh, l'action de cette pioche, les gars. Oh là là, j'ai envie de prendre la pioche. Pourtant, c'est pas trop le genre de pioche de base que j'aime bien. Mais le fait qu'il y a des flammes violettes là, plus l'effet qu'elle fait quand elle frappe, elle est vraiment bien la pioche aussi. Et le planeur. Oh my god, dans le sens oh my god, quoi, vous avez compris. Oh mon dieu, quoi. Ah là là, le planeur. Eh, mais pourtant, je suis pas du genre à avoir des planeurs là. Alors là, l'ensemble pour 2000 bucks, le skins légendaire. Il y a également la pioche que je kiffe. Et le planeur. Alors ça va me faire cher tout ça, moi. Les ping games, c'est la crise. Je suis pas payé par YouTube, moi. Ah, oh, je saurais pas quoi prendre dans la boutique. Si je prends le skins, je peux plus acheter le planeur et la pièce. Si je prends la un des deux, si je prends les deux là, je pourrais pas acheter les skins. Bah, c'est compliqué. Je vais réfléchir. Mais en vrai, c'est vachement bien les deux. Vous avez également le retour du skin. C'est cool. Fira à 1500 V-Bucks. Je vais dire 1800, moi. Ah là, le skin m'a pas attendu. Elle est vraiment stylée comme skin. On est d'accord là-dessus, je pense. Le retour de la danse électro swing. Ensuite, j'avais également le retour du skin Luminex. Ce skin-là est sorti assez souvent en boutique. Je l'aime beaucoup, ce skin, personnellement. Écoute, 800 V-Bucks, c'est pas extrêmement cher, personnellement. Ensuite, pour ceux qui veulent acheter des paliers. Alors, bah, ils peuvent l'acheter vraiment, c'est 10 paliers. Ou alors, après, moi perso, c'est pas mon truc. Pas moi qui va acheter et dépenser des bugs pour ça. Mais voilà, si vraiment vous n'avez pas la possibilité de jouer autant que moi, bah achetez-le, mais je vous conseille pas personnellement. Ensuite, le retour de la petite danse flux. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu en boutique celle-ci. À 500 V-Bucks. Et la petite pelle à neige qui a rien de ouf là-dessus, tout le monde. Dire, c'est une pioche assez simple. À 500 V-Bucks. Du coup, c'est tout pour cette boutique. Et moi, je vais acheter un des trucs de la boutique. Parce que, faut vous dire, je vais acheter le skins. Allez, vas-y. On achète le skins. Hop, c'est fait. Je sais que je vais vouloir l'acheter. Je me connais. Je vais pas résister. Là, il me reste plus que 480 V-Bucks. Il va falloir faire des défis sur le monde et tout. Pour pouvoir acheter les deux autres trucs. Je veux dire, là, par exemple, si je vais acheter le planeur et la pioche. À eux deux, ça fait 2400 V-Bucks. Et disons que. Bah, il manque 2000 V-Bucks, quoi, en gros. Parce que je fais 400. Je les ai. Bref, on verra bien si je peux avoir un petit demain. Sinon, bah, ça pourra la prochaine fois. Mais en vrai, c'est super bien. L'ensemble de cette boutique est vraiment bien. Notez-la sur 10 si vous souhaitez dans l'espace commentaire. Et puis, mettez un like. Ça fera extrêmement plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Du coup, si plus des vidéos. Je vais faire pour l'instant, ça bug beaucoup moins comme ça, c'est plus simple. Et on verra ça pour les prochaines fois, les lives et tout. Et ce week-end, je vous rappelle qu'il y a la suite de Vampire, pour ceux qui sont fans de Vampire. Allez, ciao!